Bonjour, je suis Isabelle Bourdon, enseignante-chercheure au laboratoire MRM et nous avons le plaisir d'avoir été lauréat du prix Innovation 2024 sur un projet qui s'intitule Consent Chain avec Anne Laurent de l'ISDM et Agnès Robin du LICEM. Le projet avait pour objectif de renforcer, fluidifier la traçabilité des consentements patients dans le cadre des essais cliniques. L'idée, c'est qu'à l'heure actuelle, le recueil du consentement des patients qui participent à des essais cliniques est très consommateur de temps, de déplacement et de gestion des versions, puisque l'ensemble du processus s'appuie essentiellement sur des consentements papier. Et donc, nous avions la volonté de développer une solution pour assurer une meilleure sécurisation de ce processus de consentement patient et ainsi favoriser sa traçabilité. Donc le projet a consisté à développer une solution innovante à partir de technologies blockchain pour assurer le recueil et la traçabilité du consentement patient. Nous nous sommes appuyés sur des frameworks existants afin de développer des prototypes pour assurer la preuve du consentement de manière immuable, sécurisée et transparente. Nous avons l'ambition avec ce projet de contribuer à simplifier et fluidifier les processus de recueil et traçabilité des consentements patients, notamment dans les essais cliniques. Donc, ces travaux nous ont permis de développer une solution, plusieurs prototypes qui s'attachent à intégrer notamment les enjeux de cybersécurité ainsi que la RGPD, mais nous sommes allés plus loin puisque nous avons travaillé également sur les aspects environnementaux d'une telle solution en comparant la solution actuelle qui s'appuie essentiellement sur le papier et qui nécessite de nombreux développements avec la solution que nous proposons qui est une solution digitale qui a des effets environnementaux moins impactants. Les travaux que nous avons menés dans le cadre de ce projet sur la digitalisation sont des enjeux très très importants, notamment dans le domaine de la santé. On a pu mener ces travaux de recherche avec l'appui de la région Occitanie qui a financé le projet. Je tiens évidemment à les remercier ici, ainsi que l'ensemble des partenaires du consortium, Patrice Van de Velde de l'entreprise Unblock, ainsi que Roxana Ologeanu TDI de TBS. Et nous avons le plaisir d'avoir été financés par le PUI de l'Université de Montpellier pour les prochaines étapes de ce projet. Et nous sommes très fiers de pouvoir être reconnus et nous allons pouvoir travailler sur les identités décentralisées dans le cadre de ce projet Consent Chain.